Pendant 57 jours, les 12 000 hommes de la garnison assiégée ont rendu coup pour coup à un ennemi dont la supériorité numérique était écrasante. 57 jours d'héroïsme surhumain et de souffrance. Aujourd'hui, Dien Bien Phu n'est plus qu'une terre brûlée, mais plus jamais le monde ne pourra oublier ce nom. Les origines de la tragédie du Vietnam semblent s'être perdues dans la nuit des temps. Et aujourd'hui, elles ne semblent pas achevées. Un homme, d'apparence modeste et retiré, menant une vie discrète, sans que ses voisins sachent très bien ce que fut son existence, et qui sont ces gens d'importance qu'il rencontre parfois, possède toute cette mémoire de la nation très ancienne et très brillante à qui les temps modernes ont apporté tant de souffrances. Il y a une raison à cela. Il en fut l'empereur durant plusieurs décennies. Prince enfant cloîtré dans l'enceinte sacrée de ses palais, adolescent vivant sa jeunesse dans la France des années folles, monarque tentant de retrouver la souveraineté perdue de son pays, compagnon de route provisoire des communistes négociant l'indépendance aux côtés d'Ho Chi Minh, chef de l'État que défendit Delattre et qui mourut à Dien Bien Phu, légende pour la grande presse et partenaire exigeant et respecté pour ceux qui le connurent, exilé enfin, se réfugiant dans la méditation et le silence, Bao Dai, pour la première fois, sort de l'ombre et nous confie sa part de souvenirs et d'espérance. Ma première question, c'est, sire, être empereur d'un âme, ce n'était pas comme être empereur ou roi ou monarque en Europe. La monarchie au Vietnam est différente. Oui, la monarchie asiatique, si vous voulez, qu'elle soit chinoise ou vietnamienne, est une monarchie tout à fait différente. Ce n'est pas tout à fait la monarchie absolue, comme vous l'entendez, comme du temps du roi soleil. La monarchie chez nous, c'est une monarchie, je dirais, presque parlementaire, si vous voulez, car le corps mandarinal qui forme la cour est une espèce de parlement. Parce que lorsqu'il y a des grandes décisions à prendre, l'empereur sollicite toujours l'avis de tous les mandarins et avant de prendre lui-même une décision. Il y a même mieux que ça, qui n'existe nulle part ailleurs, il y a même un conseil de censure qui peut même censurer l'empereur dans ses faits et gestes. Alors, j'ai dans votre livre de mémoire, qui est un livre tout à fait passionnant, que j'espère un jour voir réédité, dans votre livre de mémoire, vous dites « Le pouvoir de l'empereur s'arrête à la porte du village ». Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Oui, parce que nous avons suivi, si vous voulez, c'est Confucius qui nous a édité, en quelque sorte, la manière de vivre dans un État. Car chaque commune, chaque village forme une petite république. Et ils sont libres d'élire leurs notables, leurs conseillers, leurs maires. Et l'empereur n'est qu'un simple arbitre, un grand arbitre dans tout le pays. C'est pour ça qu'il y a le fameux dicton vietnamien qui dit que la loi du roi s'arrête aux portes du village. Alors cet enseignement de Confucius est très important dans toute la vie vietnamienne, à tel point que, d'une certaine manière, il constitue une sorte de constitution non écrite. Oui, Confucius a été pour nous le grand philosophe. Et c'est lui qui a édité toutes les lois, aussi bien qui régit même les faits et gestes de l'empereur, jusqu'au dernier des paysans. Il y a une mystique religieuse, d'une certaine manière aussi, dans la manière dont on perçoit la monarchie. Elle assure la pérennité des rites. C'est ça, oui. La monarchie chez nous, on ne peut pas dire que ce soit une monarchie de droit divin, si vous voulez. Mais l'empereur est reconnu comme un descendant du ciel, si vous voulez. Puisqu'il est là, en quelque sorte, il est
vers la liaison entre le ciel et la terre, c'est-à-dire le peuple. Il assure également la continuité historique. C'est ça, oui. C'est pourquoi Confucius nous a appris ce qu'on appelle le culte des ancêtres. Dont vous êtes le principal responsable, en fait, ou dont vous êtes le garant, en tout cas, dans toute l'étendue du territoire. Je suis, étant empereur, étant le fils du ciel. Donc, mon devoir, c'est de rendre compte au ciel de mon mandat sur la terre. C'est-à-dire, je suis là pour faire le bonheur du peuple. Alors, il y a une autre institution qui est très intéressante pour nous occidentaux, c'est l'institution des mandarins. En fait, les mandarins ne constituent pas une caste, ils sont mandarins par le mérite. C'est ça, il y a eu toujours des concours. Alors, n'importe quel vietnamien pouvait, même un simple paysan, même par ses études, par son éducation, peut arriver, en passant des concours, à avoir des places même importantes à la cour. C'était des concours très difficiles. Des concours très difficiles, oui. Quel pouvoir les Français avaient-ils laissé à cet empereur d'un pays dont ils avaient déjà emporté une partie qui était la Cochinchine et qu'ils protégeaient pour les deux autres régions de la Nam et du Tonkin? Quel pouvoir laissait-il? En fait, l'empereur n'avait pas beaucoup de pouvoir. D'ailleurs, je vais vous expliquer comment, une fois, vous savez que j'étais intronisé à l'âge de 12 ans et j'ai continué à faire mes études en France. Et c'est vers 18 ans que je suis rentré chez moi. C'était à ce moment-là que je me suis aperçu que tous les droits de l'emploi étaient entre les mains du résident supérieur. J'aurais voulu changer cet état de choses, malheureusement. Je me suis trouvé en butte à beaucoup de ces administrateurs, de ces gouverneurs, qui n'ont pas voulu, justement, assouplir cette manière d'administrer. Mais par ailleurs, l'empereur jouissait d'un très grand crédit, d'une très grande confiance de la part de la population. Toujours, c'était, si vous voulez, la population, aussi bien vietnamienne que chinoise, vis-à-vis de l'empereur, avait une espèce de respect traditionnel qui remonte à des siècles. Où résidait l'empereur? À Hue? Ah oui, c'était la capitale. Où il y avait une architecture, des palais extrêmement beaux. Oui, c'était, si vous voulez, une copie de Pékin. C'est un petit Pékin. Je voudrais que l'on parle un petit peu de votre enfance, sire. Dans votre livre, il y a des pages très très émouvantes sur cette enfance. Une enfance très solitaire, en fait. Vous êtes livré à un précepteur qui vous enseigne les grands textes confucéens, mais vous avez très peu de contacts avec votre père, des contacts très protocolaires avec votre mère ou avec les impératrices douairières. Et vous apprenez une chose qui vous aura suivi toute votre vie, c'est-à-dire à être impassible. Oui, c'est une éducation que doivent recevoir tous les princes appelés un jour à régner. C'est une éducation assez sévère où on apprend aux jeunes princes de taire tous ses sentiments, de ne pas avoir de passion et d'être, comme vous dites, impassible. Est-ce que des phrases comme celles que vous notez dans vos mémoires, en mangeant les fruits d'un arbre, pensez à qui l'a planté. Faire le bien est pénible, comme de monter. Faire le mal est aisé, comme de descendre. La prudence d'un seul est annihilée par l'aveuglement de la foule. Ces phrases de l'enseignement confucéen, ce sont des phrases qui vous ont marqué. Oui, ça reste toujours, parce que c'est comme ça marque toujours dans l'enfance. Quand on vous met ça dans la tête tous les jours, on finit par être, même maintenant, je le ressens encore. Donc vous étiez un enfant sans chagrin, sans désir, en fait, vous en éprouviez, mais vous aviez appris à tout refouler. C'est ça. Et vous dites à un autre moment dans votre livre que cela vous a incité aussi à pratiquer fréquemment la solitude et la méditation. C'est exact.
Donc, vous êtes enfant et votre père prend cette décision que vous poursuiviez les études en France. À votre avis, quelles étaient ses motivations? C'est parce qu'il voulait que, comme j'étais fils unique et son héritier, il voulait que celui qui le succéderait ait une éducation occidentale, en plus de l'éducation orientale. C'est pourquoi il m'a envoyé en France. Lorsqu'il est parti en France faire son voyage officiel, il m'a emmené en France. Lorsque je suis arrivé en France, c'est que mon père a confié à M. et Mme Charles, qui ont servi en quelque sorte des précepteurs pour moi. Alors, à ce moment-là, j'ai découvert ce que c'était la vie d'un enfant normal. Alors, je voudrais juste faire une notation. Pendant votre trajet vers la France, vous découvrez aussi le monde. Vous passez devant le volcan du Stromboli, par exemple. Vous n'aviez jamais vu un volcan. Et là, on s'aperçoit à la fois de la grandeur et puis peut-être de ce qu'il n'y avait pas dans l'éducation que vous aviez reçue. Il y avait très peu, jusqu'alors, de sciences exactes, pas de géographie, par exemple. D'ailleurs, en dehors de l'éducation qu'on m'a donnée, c'est-à-dire apprendre les préceptes de Confucius, on n'enseignait pas la géographie ni l'histoire, d'ailleurs. Alors, c'est pour moi une découverte, car c'est la première fois que je sortais du palais. Et le fait de prendre le train et le bateau, c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire. Donc vous arrivez en France, il y a un regret quand même, il y a un personnage qui était très important à la cour de Huet, c'était votre grand-mère paternelle. Vous dites que c'était une Catherine de Médicis à la mesure du Vietnam. Oui, parce que c'est elle qui, après la mort de mon grand-père, c'est elle qui a tout fait pour que mon père puisse régner. Donc c'est elle qui a voulu nous éduquer, mon père et moi, pour faire ce métier de l'empereur. Alors vous arrivez en France, je voudrais qu'on parle un petit peu, si vous le voulez bien, de la manière dont on percevait la France dans la famille impériale et peut-être au Vietnam à cette époque-là. Au départ, j'étais étonné de voir la vie en France. Et puis, petit à petit, je me suis adapté. Comme je vivais dans un hôtel particulier pas loin du Champ de Mars, on m'emmenait voir le Champ de Mars, voir le Guignol, monter les chevaux de bois. C'est comme ça que j'ai découvert petit à petit ce que n'était un enfant normal de mon âge. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des jouets. Parce que M. Lamcham m'offrait des jouets, chose que je ne connaissais pas du tout lorsque j'étais au palais. Est-ce que votre terre natale vous manquait ou est-ce que vous vous étiez adapté totalement? Non, je me suis adapté très vite, justement, à cette vie de jeune garçon à la française. Est-ce que vous êtes devenu français ou est-ce que vous êtes resté vietnamien? J'ai fait une espèce d'amalgame des deux civilisations, d'ailleurs. Et j'en parle justement dans mon livre, c'est-à-dire la rencontre de l'Orient et de l'Occident. Et j'étais celui qui, si vous voulez, qui symbolise le mieux les deux éducations. Vous apprenez la musique aussi, sire? Oui, j'aimais beaucoup la musique, justement. Le gouvernement français n'a pas voulu que je passe des examens, parce que si je dois passer des examens, il faut que je les passe tous, beaucoup mieux que tous mes compatriotes. Je comprends. Mais malgré tout, vous suivez une scolarité. Oui, je suivais tous les cours. J'étais dans plusieurs lycées à Paris. Et après, j'ai fait les Sciences Po. Lors de l'inauguration du pavillon de l'Indochine à la cité universitaire, vous êtes témoin d'un incident qui vous frappe. Là, il y a eu une manifestation. Sur le moment, je n'ai pas compris ce que c'était. C'est après que j'ai appris que c'était une espèce de petite révolte qui a eu lieu dans le nord du pays. Et il y a eu, à l'occasion de la révolte, une répression assez sévère. Ce jeune homme qui étudie, qui est très sérieux, qui voyage,
J'essaie de l'imaginer. Est-ce que vous aviez des nouvelles fréquentes de votre pays? Oui, j'avais régulièrement, parce que j'avais auprès de moi un précepteur. Il y en avait un qui continuait à m'enseigner tous les préceptes de Confucius pour que je ne perde pas la notion. Ça a continué. Ben oui. Durant vos années de séjour en France, votre père meurt. Vous retournez au Vietnam brièvement pour assumer la succession. Et ensuite, vous revenez terminer vos études en France. Puis vient le moment où vous allez véritablement monter sur le trône au Vietnam, en Annam. Et donc, vous y allez. Pourquoi est-ce qu'on disait Annam et pas Vietnam? Était-il interdit de dire Vietnam? Non, parce que c'est vrai que notre pays a changé plusieurs fois de nom, suivant les périodes occupées par les Chinois. Au début, ça s'appelait Annam. Ce sont les Chinois qui ont donné ce nom-là. Et puis après, c'était le Nam Viet. Et c'est l'empereur Jialong, c'est mon ancêtre, qui a définitivement appelé le pays Vietnam. Alors ce sont les Français qui ont, en colonisant, coupé le pays en trois, avec le nord le Tonkin, le sang la Nam et le sud le Cochinchin. C'était mon père avait plus de pouvoir que j'en avais, puisque justement après la mort de mon père, pendant que j'étais en France, il y avait un conseiller de régent. Et c'est à ce moment-là que l'administration française en a profité pour mettre la main sur toute l'administration du pays. Justement, c'est devenu plus un pays protégé, mais une administration directe. Vous avez le sentiment d'avoir un rôle diminué par rapport à ce que vous espériez. Est-ce que, quand vous rentrez, est-ce que vous aviez déjà un projet pour le Vietnam? Est-ce que vous aviez pensé à tout cela? Oui, j'avais pensé qu'il fallait renouveler les habitudes du pays, c'est-à-dire moderniser, faire quelques réformes. Malheureusement, je me suis buté contre l'administration française et je n'ai pas pu faire grand-chose. Quel sentiment vous inspirez les administrateurs français, vos interlocuteurs français? Ils étaient tout ce qu'il y a de plus correct vis-à-vis de moi. Avec certains, j'ai gardé de très bonnes relations. Mais ça n'empêche pas que la politique générale de la France n'a pas changé. Nous avons passé un moment difficile et on espérait tous un jour qu'une France, une nouvelle, nous libère un peu. Est-ce que la colonisation a plus détruit qu'apporté? Non, dans les pays du protectorat, c'est-à-dire je parle des Tonkins et l'Annam, la France n'a pas beaucoup bouleversé le système communal dont je vous ai parlé au début. C'est en Cochinchine qu'ils ont tout changé. Ils ont supprimé puisque c'était une colonie française, ça devait être vu puisqu'elle est devenue même après un département français, ça devait être vu comme un département en France. C'est pour ça que lorsque les mouvements révolutionnaires sont arrivés, la Cochinchine était beaucoup plus touchée que le Tonkin et l'Annam, où il y avait une certaine liberté pour le peuple. Finalement, on retrouve ce penchant pour la méditation et la réflexion. Vous vous enfermez dans les bibliothèques impériales et vous lisez l'histoire de votre peuple. Justement, jusqu'à mon retour en 1932, je connaissais mieux l'histoire de France que l'histoire de mon pays. C'est pour ça que j'ai demandé au service des archives de me présenter toute l'histoire, non seulement du pays, mais de toute la famille impériale. Et là, vous avez lu pendant des jours et des jours. Oui, je l'ai lu et j'ai médité pendant des mois et des années. Et vous en retirez la leçon que si vous voulez arriver à appliquer le patriotisme auquel vous songez, il va vous falloir durer. Oui, c'est ce que je me suis dit à moi-même, c'est que vis-à-vis de mon peuple, je n'ai pas le droit de disparaître. Justement. Alors, il faut que je sois là le jour où il y a un changement quelconque, justement, pour que je puisse porter justement quelque chose à mon peuple. Et vous faites, très encadré par les autorités françaises, un voyage au Tonkin. Et là, ça vous laisse une impression
mitigé. J'avais l'impression d'être un souverain étranger qui visite une terre étrangère, justement. Dans votre pays. Oui. Malgré tout, vous engagez un certain nombre de réformes dans les domaines qui sont encore sous votre pouvoir. Et ces réformes vont dans le sens d'une simplification importante du fonctionnement de la Cour, par exemple. Oui, c'est ça. Oui, j'ai voulu simplifier tous les rites. Par exemple, supprimer les, ce qu'on appelle les lais, c'est-à-dire de baisser la tête par terre. Justement, c'est pour... J'ai voulu, en quelque sorte, moderniser tout le système. Il souffrait des maladies de ses sujets plus que des siennes, car c'est la douleur publique qui fait la douleur du roi et non leur propre douleur. Ça, c'est une phrase que vous avez notée dans vos mémoires. C'était bien votre état d'esprit à ce moment-là. C'est une chose qui m'a beaucoup frappé, cette phrase-là. C'est l'état d'esprit dans lequel vous étiez à ce moment-là, au moment de votre retour. C'est exactement ce que j'ai ressenti, justement. Alors, vous prenez conscience aussi du fait qu'il y a des aspirations nationalistes dans le pays. Et notamment, vous êtes amené à conférer des responsabilités à un homme qui s'appelle Godin Diem. Est-ce que vous pourriez nous dire qui il était? Godin Diem était un jeune mandarin d'une vieille famille catholique. Et il était le chef de la province de Fontiès, justement. Et comme je l'ai dit, moderniser, renouveler le corps mandarinat, parce que jusqu'à présent, tous les ministres de la cour avaient une moyenne d'âge 75 ans. J'ai voulu justement appeler ces jeunes auprès de moi. Et justement, j'ai appelé Godin Diem, qui était un mandarin intègre, très honnête. Malheureusement, lui, il s'est trouvé comme moi, devant un mur, c'est-à-dire l'administration française. C'est pourquoi, au bout de quelques temps, il m'a demandé de partir. Alors je lui ai dit, vous pouvez partir, mais moi, j'ai pas le droit de partir, parce que j'ai pas le droit de déserter mon poste. Il faut que je reste là pour mon peuple. C'est comme ça qu'il est parti. Est-ce que vous pensiez que vous alliez le retrouver sur votre chemin? Je l'ai gardé en réserve, si vous voulez, pour un jour possible, qu'il puisse revenir pour travailler avec moi, justement. Et alors, vous, en ce qui vous concerne, vous avez toujours eu une attitude d'extrême tolérance à l'égard des fois et des confessions différentes de la vôtre. Et d'ailleurs, le palais est un endroit d'une neutralité absolue. C'est-à-dire, l'empereur admettait, pourvu qu'il puisse faire le culte des ancêtres, il admettait n'importe quelle religion. D'ailleurs, chez nous, il n'y a pas de religion d'État. Vous écrivez... À un moment, il n'est pas nécessaire que l'empereur soit présent pour que le peuple se sache gouverner. Il suffit que de temps à autre, le plus rarement possible, il apparaisse publiquement, à l'occasion d'une réception ou d'une audience, afin de montrer qu'il est bien vivant. Tous ceux qui en Orient ont exercé le pouvoir ont toujours agi ainsi. Le prince, s'il est pontife, celui qui établit le pont entre le ciel et son peuple, est aussi et par conséquence le médiateur entre le peuple et son avenir. Il doit donc d'abord créer en lui la paix, puis l'harmonie, s'il veut apporter la paix et l'harmonie à son peuple. C'est ainsi que vous avez adopté un profil assez, toujours très discret. D'ailleurs, c'était le rôle même de l'empereur. Et non seulement le rôle de l'empereur, mais le peuple a compris aussi. C'est pourquoi, lorsque l'empereur sort pour certaines cérémonies, le peuple reste la tête courbée et n'ose pas regarder l'empereur. Car c'est quelque chose de divin. C'est pour ça qu'il est impassible aussi.
Vous citez le cas d'une conjuration contre un empereur du passé qui est oui, tout à fait... c'est l'histoire de la Chine. Où les conjurés se tiennent devant l'empereur et l'empereur demeure impassible pendant 3 jours. Oui, et il en est mort. Mais... Il en est mort, oui. Et cette attitude, vous allez l'utiliser face à cette omniprésence des Français. Vous retirez fréquemment, j'allais dire à la campagne, enfin fréquemment... Pas à la campagne, mais dans la brousse. Dans la brousse, oui. Et ça, c'est quelque chose que vous revendiquez comme un acte politique, en fait. J'étais un souverain en exil, mais dans son pays. Et c'est pour ça que je me suis un peu détaché de la vie politique, puisque je n'avais pratiquement rien à faire. Et j'allais moi-même parcourir mon pays pour mieux connaître mon pays. J'allais dans la Beauce, j'allais dans la jungle. En bref, je prenais le maquis à ma manière. Vous vivez très près de la nature. Il y a notamment une page très belle sur les éléphants. Les éléphants ont votre amitié. Oui. Non seulement les éléphants, j'aime les éléphants, mais nous devons beaucoup aux éléphants. Car si l'empereur Yalon a pu faire l'unité du pays, c'est grâce aux éléphants. Car à cette époque-là, les éléphants, c'était les chars d'assaut. D'ailleurs, rappelez-vous l'histoire d'Alexandre le Grand. Quand il est tombé sur les éléphants de Darius, il a failli perdre la guerre. Oui. Vous étiez donc très souvent dans cette situation presque d'exil intérieur. Le pays était très calme. Est-ce que vous pensiez que ça durerait toujours ou est-ce que vous attendiez votre heure? Mais j'attendais mon heure, justement. J'avais le pressentiment que quelque chose arriverait. Toujours ce principe, il faut durer. C'est ça. Quelle relation aviez-vous avec les autres États de la dite Indochine, c'est-à-dire le Cambodge ou le Laos? Je n'avais pas beaucoup de relations. La seule fois que j'ai rencontré le roi du Cambodge, c'était lorsque le roi Sihanouk est monté sur le trône. Il est venu me faire une visite, ça devait être en 1942, et il m'a invité à aller à la fête des eaux au Phnom Penh. C'est comme ça que j'ai eu les premiers contacts avec le Cambodge. Avec le Laos, nous avions très peu de contacts, d'ailleurs. Parce que, si vous voulez, ça faisait 3 pays tout à fait différents, qui étaient des pays protégés également. Et il n'y avait aucune raison pour que j'aie des contacts avec... Et s'il y avait des contacts, c'est à travers la France que nous prenons ce contact. Ça, les Français étaient partout. Mmh. Hein. Est-ce que les Français vous surveillaient? Qu'entendez-vous pour surveiller? Vous espionnez? Non. Non, je n'avais rien à cacher. Est-ce qu'ils avaient tendance à vous inciter à vous éloigner encore plus? Non, pas du tout. Et les relations étaient toujours assez courtoises? Toujours très correctes et très courtoises. Alors vous continuez malgré tout à faire sans cesse des gestes symboliques qui montrent bien votre attachement à la modernité et votre désir de marquer votre personnalité. Et l'un de ces gestes les plus frappants, c'est votre mariage. Vous faites un mariage d'inclination, ce qui n'était pas l'habitude, et vous épousez une jeune femme d'origine catholique. C'est ça, oui. Est-ce que... Justement, là aussi, j'ai modernisé la vie du palais. J'ai supprimé le harem. J'ai voulu avoir une seule épouse qui puisse être auprès de moi pour recevoir comme un souverain moderne. Et j'ai épousé une catholique du Sud. Et justement, puisque nous parlions des cultes des ancêtres, lorsque j'ai épousé une catholique, j'ai voulu que mes enfants, si un jour choisissent la religion catholique, puissent honorer les ancêtres. Je vous interromps là encore une seconde, sire. Ça me frappe. Vous dites, mes enfants, s'ils choisissent la religion catholique,
Vous n'aviez pas l'intention de peser sur leur choix? Aucun. Justement, je n'avais aucune raison de peser sur leur choix. Pourvu qu'ils continuent à honorer les ancêtres, comme le prédisait Confucius. C'est pour ça que j'ai fait une lettre au pape, à l'époque c'était Pie XI, pour lui demander de vouloir bien accepter le culte des ancêtres dans la chrétienté. C'est, si vous voulez, c'est le premier pas que j'ai fait. Et après, Pie XI a admis le culte des ancêtres. Et c'est le pape Paul VI, je crois, qui a signé les bulles pour admettre définitivement le culte des ancêtres dans la religion catholique. Votre épouse est devenue impératrice. Et sur ces entrefaites, vous êtes repassé par la France en 1939. Vous avez été reçu par le président Lebrun. Est-ce que la France avait changé? À Paris, Sa Majesté Baodaï et l'impératrice Danam sont à l'Élysée les hôtes du président de la République et de Madame Albert Lebrun. Après le déjeuner offert en l'honneur des souverains et auquel assistaient plusieurs membres du gouvernement français, les invités visitent les jardins de la résidence présidentielle. Les enfants de l'empereur et de l'impératrice Danam ont manifesté leur désir de visiter le zoo de Vincennes. Et accompagnés de leur gouvernante, ils sont venus en cet endroit miraculeux où les animaux les plus fantastiques sont offerts à la curiosité sans cesse inassouvie de l'enfant. Vous entrez en Annam et d'une certaine manière, l'Annam se trouve plongée dans la tourmente. Il y a tout d'abord un premier gouverneur général qui est Catroux. Catroux, qui allait connaître la destinée que l'on sait auprès du général de Gaulle. Est-ce que Catroux était différent des autres dans ses relations avec vous? Je connaissais de longue date Catroux. Et nous étions assez liés avec, non seulement avec Catroux, mais avec Madame Catroux, qui était une amie de l'impératrice. Genre. Et c'est tout ce qui s'est passé entre Catroux et le gouvernement de l'époque, j'ignorais complètement, d'ailleurs. Lorsque Catroux est parti et que Decoux l'a remplacé, c'est-à-dire Catroux a été limogé en quelque sorte. N'empêche que j'ai toujours reçu Catroux comme le représentant de la France. Parce que tout ce qui passait entre eux ne me regardait pas. C'est ça. Alors ça, c'est un point qui est très important. C'est que vous mettiez votre point d'honneur à ne pas intervenir dans les affaires françaises. Et je tenais à ignorer tout ce qui se passe dans les affaires françaises. Je reconnaissais qu'un représentant de la France, c'était le gouverneur général. C'était aussi une manière d'affirmer votre souveraineté, d'une certaine manière. En n'étant pas concerné par la France, c'était une manière de leur dire que vous étiez autonome. Oui, j'espère qu'ils ont compris mon sens. Catroux s'en va avec la France libre et l'Annam, l'Indochine, se trouve sous juridiction de Vichy. Oui, c'est l'amiral Decoux qui l'a remplacé. Et l'amiral Decoux était émané de Vichy. Et lorsque la France a connu les grands malheurs de l'occupation, nous, Vietnamiens, nous avons participé au malheur des Français. Lorsque Catroux demandait le secours national, tous les Vietnamiens se sont prêtés à aider. Est-ce qu'il y avait... Et nous l'aurons fait dans l'espoir que Decoux, justement, et le gouvernement français de l'époque, fassent un geste vis-à-vis de nous. Il y avait une amitié franco-vietnamienne. Il y avait une certaine entente, si vous voulez, entre Français et nous étions assez proches de caractère, justement. Il y a des caractéristiques communes. Oui. Pendant ce temps, dans le pays, il y a quand même deux forces qui semblent agir. Tout d'abord,
l'amiral de Kou et Vichy avaient été obligés d'accorder certains arrangements aux Japonais. Mm-hmm. Comment se manifestaient ces arrangements auprès des Japonais? D'ailleurs, ces arrangements, beaucoup de personnes ont oublié les accords qui ont été signés entre Darlan et l'ambassadeur qui représentait le Mikado, c'était Kato, justement. Et ces accords Darlan-Kato, c'était pour mettre à l'armée japonaise de traverser l'Indochine et en contrepartie, le Japon maintenait la souveraineté française en Indochine. Oui, car les Japonais étaient en guerre avec Chiang Kai-shek, avec la Chine. Avec tout le monde, oui. Avec tout le monde, oui. Et ils avaient donc besoin de l'Indochine pour se déplacer. C'était pour traverser, pour aller en Thaïlande, en Birmanie, en Indonésie. Mais ils respectaient la souveraineté française. Oui, ils avaient, même le Mikado aurait donné sa parole à Pétain de respecter la souveraineté française. Jusqu'en 45. Et comment le peuple vietnamien, à votre avis, ressentait tout cela? À cette époque-là, le peuple vietnamien ne faisait pas plus attention que moi à tout ce qui est des tractations entre Français et Japonais. Pourtant, le nationalisme se développe. Il y a eu un nationalisme de lettrés, qui s'était manifesté à plusieurs reprises dans le passé. Et là commence à apparaître le nationalisme Viet Minh, c'est-à-dire d'obédience communiste. Est-ce que comment c'est né ce nationalisme? Comment est-il né? Il ne faut pas dire le nationalisme Viet Minh, c'était les communistes, pas les nationalistes. Car voyez-vous, il y a une chose qui est dramatique, c'est que l'administration française de l'époque, je parle de 1930 jusqu'à 1935, l'administration française avait beaucoup plus peur des nationalistes que des communistes. Parce que pour elle, les communistes, c'était une affaire internationale. C'est pourquoi ils ont facilité, justement, aux communistes vietnamiens de former un parti, pas dans le Vietnam même, mais en dehors du pays. En dehors du pays, ils commencent à y revenir dans le pays. À y revenir, ça, la France n'était pour rien, pour le retour du... Si elle a créé le Parti communiste vietnamien, elle n'était pour rien pour le retour de Ho Chi Minh. Car le retour de Ho Chi Minh dans le pays, ce sont les Américains. On va aborder tout de suite ce problème, mais encore une ou deux questions sur cette période étrange d'une souveraineté de la France de Vichy, d'une présence assez forte des Japonais et de l'empereur Bao Dai, silencieux, qui observe cette situation à côté du peuple vietnamien. La France est libérée, change de système politique avec l'arrivée aux affaires du général de Gaulle. Et qu'est-ce qui se passe au Vietnam à ce moment-là? Nous, Vietnamiens, on ignorait tout. On n'était pas du tout au courant de tout ce qui se passait. Nous avons appris que la France était libérée, un point c'est tout. Et les Japonais, à ce moment-là, quelque temps après, font un coup de force. C'est-à-dire, ils ont fait un coup de force parce que les Français ont cru qu'après plusieurs défaites japonaises dans le Pacifique, que c'était la fin du Japon. C'est pour ça que les Français se sont mis à faire une espèce de résistance. Et les Japonais, voyant la fin, ne voulaient pas, c'est une question de face aussi, ils ont fait ce coup de force et ils ont écarté la souveraineté française. Et à ce moment-là, vous vous trouvez à votre corps défendant, plongé dans la mêlée d'une certaine manière. C'est ça, oui, je me suis trouvé, d'ailleurs, c'est une histoire assez dramatique d'ailleurs,
le jour où ils ont fait le coup de force, je n'étais pas dans mon palais, j'étais dans mon pavillon de chasse. Et quand je suis rentré au palais, toutes les portes du palais étaient ouvertes et il y avait des chants de coups de feu. À ce moment-là, il y a des Japonais, un officier japonais venu se présenter en disant de patienter, qui était en train de régler quelques problèmes, et puis après, il me conduirait au palais. Et au bout de quelques temps, je suis rentré au palais, et le même officier japonais m'a dit, demain, un grand personnage viendra se présenter à votre majesté. C'est comme ça que le lendemain, j'ai reçu l'ambassadeur Yokohama, qui s'est présenté avec des lettres de créance. Il m'a dit que le Mikado m'envoie pour être auprès de votre majesté. C'était ma première, si vous voulez, mes premiers contacts avec le Japon. Est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de réfléchir à ce qu'était l'empereur du Japon et de... Oui, nous connaissions ce que c'était l'empereur du Japon, surtout l'ère de Meiji, qui avait en quelque sorte ouvert le Japon à la vie moderne. Et cette expérience vous intéressait? Oui, je suivais d'assez près l'histoire du Japon. Alors les Japonais vous traitent avec beaucoup d'égards. Et bientôt, vous propose de proclamer l'indépendance du Vietnam. Alors c'était une situation qui était très compliquée, car il n'y avait plus véritablement de souveraineté française à ce moment-là. De Gaulle lui-même le dit, je voyais s'éloigner l'Indochine comme un grand navire. Il n'est pas question évidemment de maintenir l'administration de Vichy. Et vous avez les Japonais qui vous disent proclamer l'indépendance. Et vous hésitez. Oui, je me suis méfié d'abord. Parce que valait cette indépendance? C'était un piège. C'est peut-être un piège, mais le mot était tellement extraordinaire, car c'était un mot tabou pour nous, jusque-là, le mot d'indépendance. Et vis-à-vis de mon peuple, je ne pouvais pas refuser cette indépendance. Si je refusais, il m'en aurait voulu. C'était une occasion jamais de montrer que nous sommes indépendants, quelle que soit la forme de cette indépendance, justement. Alors, chose extraordinaire, quand j'ai signé cette indépendance, j'ai demandé à l'ambassadeur qu'est-ce qu'il y a en contrepartie. Il me dit rien. On ne vous demande rien. On vous libère, c'est tout. Est-ce que malgré tout, vous ne risquez pas de devenir un instrument aux mains des Japonais? Et est-ce que vous ne risquez pas de donner l'impression aux Français que vous les aviez abandonnés? Non, pas du tout. Je tenais pas, justement, à être un instrument aux mains des Japonais. Je sais bien qu'un jour, le général qui commandait le corps expéditionnaire en Indochine m'a demandé de faire un effort de guerre pour aider le Japon, parce que le Japon se trouvait dans une mauvaise passe à cette époque-là. Je lui dis, mais nous sommes indépendants. On ne vous a rien réclamé, c'est vous qui nous avez donné l'indépendance. Donc nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Il n'y a aucun droit sur nous de vous immiscer dans nos affaires internes. Ils ont très bien compris. Et alors l'autre risque qui était d'être considéré par les Français comme quelqu'un qui les a abandonnés, vous avez dû y penser quand même. Eh bien, non seulement j'y pensais, mais beaucoup de Français ont dit que j'avais trahi, si vous voulez. Car quand si pour vous rappeler une affaire, quand je suis revenu en France en 48, il y avait une campagne de presse contre moi, en disant c'est un filon, il nous a abandonnés, il a marché avec les Japonais. Il a fallu que je sorte le traité de protectorat. Il est là. Il n'y a qu'à lire l'article 11 ou 13 qui dit que la France se charge de maintenir la sécurité de l'empereur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Qui a rompu le contrat? C'est pas moi. Puisque le 9 mars 1945,
1945, il n'y avait plus de souveraineté française. Est-ce que les Japonais exerçaient des sévices sur les Français? Ils ont été... C'était pas... On ne peut pas dire que ce soit l'armée des Mikado qui a commis des atrocités. C'était plutôt la Kampetai, qui était leur une espèce de légion étrangère chez eux. C'est eux qui ont commis des atrocités sur les Français. Comment est-ce que vous, tout d'un coup, vous retrouvant dans cette situation de premier plan, comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que ça devait être compliqué à vivre? Vous aviez beaucoup d'attachement pour les Français, vous aviez beaucoup de... on ne peut pas rester toujours impassible. Ça, c'est tout à fait... C'est un sentiment personnel, si vous voulez, mais je pensais surtout à mon pays, à mon peuple. Puisque les Japonais nous donnent l'indépendance, il faut que je concrétise cette indépendance. C'est pourquoi j'ai formé un autre gouvernement et tous les mandarins de l'époque se sont retirés pour que nous ayons un gouvernement moderne. C'est ça, donc vous faites votre premier acte véritable de souverain constitutionnel, on pourrait dire, enfin de souverain moderne. Qui avait-il dans ce gouvernement? C'était des jeunes intellectuels. Il y avait beaucoup de qui ont été en France, il y a des anciens polytechniques, des docteurs en droit, des docteurs en médecine. Et comme président du conseil, j'avais choisi un lettré qui connaissait aussi bien l'Occident que l'Orient, justement. Quel était l'état de la population face à cette situation nouvelle? La population était en quelque sorte une espèce de soulagement, si vous voulez. Le Japon s'effondre. Bombe atomique, fin de l'impérialisme japonais. Et c'est à peu près à ce moment que les communistes exercent une pression grandissante. Attention, c'est, au départ, ce ne sont pas les communistes qui ont exercé, ce sont les nationalistes qui ont cru qu'il faut que, si vous voulez, dans l'esprit de mes compatriotes, surtout des intellectuels, il fallait une révolution. Parce que pour eux, s'il n'y a pas de révolution, il n'y a pas d'évolution, justement. Alors je craignais, moi, qu'ils fassent une révolution. Et si vous rappelez les accords de Yalta et Potsdam, qui disait que, malgré la défaite japonaise, le Japon est tenu de rester pour maintenir l'ordre. C'est-à-dire, ils n'étaient pas désarmés. Alors j'avais peur, justement, que s'il y a une révolution, que les Japonais tirent sur mon peuple. C'est pour ça que je leur ai dit, puisque vous voulez faire une révolution, moi je vais vous la faire. De quelle façon? Je vais m'en aller. Et vous abdiquez? Ça nous semble pour nous quasiment incompréhensible. Non. Peut-être pour vous, mais pas pour les Vietnamiens. Les Vietnamiens ont compris que justement, ils n'avaient pas surtout perçu une chose, c'est que ceux qui devaient venir pour former le futur gouvernement étaient des communistes, justement. Mais ils savaient qu'une seule chose, c'est que... Ce gouvernement, c'est-à-dire l'homme qui devait former le gouvernement, c'était Ho Chi Minh, était amené par les Américains. Ils pensaient que, ayant l'Amérique derrière eux, ils avaient tous les pouvoirs pour nous obtenir l'indépendance vis-à-vis des Français, puisque jusqu'à présent, les Américains étaient considérés comme des anticoloniaux. Comment viviez-vous psychologiquement? Non, je n'ai pas été... du tout troublé par ces problèmes. Justement, comme je savais, je sentais en quelque sorte venir ce réveil, si vous voulez, d'abord les nationalistes qui voulaient concrétiser cette indépendance, ils avaient peur que moi, en place, je n'avais pas assez de moyens
pour justement obtenir de la France l'indépendance. Et comme je vous ai dit, puisqu'il y a un gouvernement qui est appuyé par les Américains, mais les Vietnamiens pensaient que ce gouvernement avait plus de moyens que moi-même d'obtenir de la France une véritable indépendance. Donc vous abdiquez. Et c'est là où commence une période tout à fait extraordinaire de votre destin. C'est celle de vos relations avec Ho Chi Minh et son entourage. Vous prenez contact avec Ho Chi Minh ou c'est Ho Chi Minh qui prend contact avec vous? D'abord, c'est lui qui a envoyé deux de ses ministres pour recevoir les attributs du pouvoir. Toujours cette idée qu'il y a une succession légitime. La République est la fille de l'empereur, d'une certaine ça, manière. En quelque sorte. Vous lui transmettez le pouvoir. Si vous entendez par là, c'est moi qui ai enfanté, si vous voulez, cette République. Alors c'est à ce moment-là que les représentants de Ho Chi Minh m'ont demandé si je voulais bien aller à Hanoï pour que Ho Chi Minh puisse me connaître et me saluer, justement. Et là-dessus, je suis parti sur Hanoï. Vous étiez devenu Monsieur Vinh Thuy? C'est ça, je suis devenu un simple citoyen. Vous n'aviez pas un très grand regret à l'idée que la monarchie, qui était malgré tout aussi une institution léguée par vos ancêtres, que la monarchie avait disparu? Si, j'avais certainement plus que du regret, mais c'est une page de l'histoire qui tourne. Et ça, c'est la destinée de mon pays. Et vous avez préféré la tourner vous-même? Je préfère que ce soit moi qui la tourne, que ce soit un bain de sang qui tourne la page de l'histoire. Vous allez donc à Hanoï et vous rencontrez Ho Chi Minh. Oui. Et alors là, c'est très extraordinaire, Ho Chi Minh vous traite avec une extrême déférence. Oui, justement, n'oubliez pas qu'Ho Chi Minh est issu d'une famille mandarinale. Et il me traitait comme si j'étais empereur. Et il a interdit à tous ceux qui étaient autour de lui de m'appeler soit le camarade, des noms pour le prolétaire, si vous voulez, et toujours l'appeler majesté. Et il vous demande de devenir conseiller suprême du gouvernement. C'est ça, il m'a demandé d'être son conseiller suprême. Et à ce moment-là, j'avais aucune raison de refuser, puisque tous les Vietnamiens, moi le premier, ce que nous voulions, c'est que notre pays soit indépendant. Et j'ai fait le sacrifice, comme j'ai dit, je préfère sacrifier mon trône. Il est un simple citoyen libre qu'un roi sous domination. C'est pour ça que tous les Vietnamiens voulaient aider ce gouvernement à obtenir une véritable indépendance. Vous êtes auprès d'Ho Chi Minh, quelle impression vous fait-il? Et avec le recul du temps, est-ce que cette impression a beaucoup changé? Et quel jugement portez-vous sur lui maintenant? Non, je n'ai pas changé. J'ai toujours considéré Ho Chi Minh en dehors de ses idées communistes, puisqu'elle était en quelque sorte vécue dans le communisme. Parce que si vous vous rappelez le fameux conseil de Tours où il était en France à l'époque, il est parti à Moscou former le Parti communiste vietnamien. Mais pour vous, c'était aussi un patriote. C'est pour moi, c'était en plus un nationaliste. Il aimait son pays. Malheureusement, il avait derrière lui un comité que je peux appeler le Suprême Soviet, qui était composé de quelques Polonais, de Russes, qui l'obligeaient à marcher, justement. Alors, c'est très difficile de trouver dans votre livre une accusation violente à l'égard de Ho Chi Minh. Vous avez de l'estime pour lui. Et de la même manière, c'est très frappant de constater que Ho Chi Minh ne vous a jamais attaqué. Non, justement, il n'y avait aucune raison pour que je l'attaque. Parce que au départ, je l'ai même aidé à essayer de
de sortir le pays. Car n'oubliez pas que nous avons souffert de la guerre. Il y a eu une situation tellement extraordinaire pour nous. Il a même envisagé de vous redonner le pouvoir. Mais c'est Ho Chi Minh lui-même. Un jour, je m'en rappelle, c'était au mois de février. Il est venu me trouver. Il m'a appelé d'abord. Et il m'a dit, venez me voir. Et je pensais qu'il était malade. Il m'a dit, pas du tout. Je voudrais que vous repreniez le pouvoir. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, moi je suis trop marqué, trop rouge, comme il m'a dit. Et je sens que je n'ai pas la confiance des alliés. Donc je pensais qu'il plaisantait. Il m'a dit, pas du tout. Préparez-vous. Et à la fin de la journée, il faut que vous vous présentiez à un gouvernement. Et dans la journée, j'ai pris des contacts, jusqu'au soir où il m'a appelé en disant, réflexion faite, voulez-vous me pardonner pour cette démarche? Parce que devant les difficultés, je n'ai pas le droit de déserter. Je dis, là, continuez. Donc c'était très étonnant tout de même. C'est très émouvant même de voir qu'il y avait comme ça une cohésion très très forte. Pourquoi est-ce que les négociations avec la France n'ont pas marché? Est-ce que c'est tout de la faute des Français? Comment est-ce qu'on pourrait... Ok, si vous parlez des négociations, il faut commencer par parler des accords du 6 mars. Que Saint-Denis a signé avec Ho Chi Minh. D'ailleurs, je connaissais très bien ces accords parce que je les ai faits avec lui. Et une fois qu'il a signé les accords, à ce moment-là, je suis parti en Chine. Alors, ce qui s'est passé après, c'était la conférence de Fontainebleau, lorsque Ho Chi Minh est venu en France. Et là, c'est une conférence qui a abouti absolument à rien. Parce que chacun est resté sur sa position. D'ailleurs, pour dire vrai, ces personnes voulaient jouer le jeu, aussi bien les Français que les Vietnamiens. Au Bourget, une délégation de jeunes indochinoises auxquelles s'étaient jointes de nombreuses personnalités, dont M. Marius Moutet, ministre de la France d'Outre-mer, a salué l'arrivée de M. Ho Chi Minh, président de la République du Vietnam. À sa descente d'avion, le leader nationaliste s'est adressé en français à ses hôtes. Au nom de mon peuple et à mon nom personnel, je vous apporte le salut fraternel et je vous dis mille merci. Une formule comme ça dans la tête qui est une formule vraiment puérile, mais j'imagine qu'il y a dû y avoir des titres dans les journaux. Est-ce que vous étiez devenu l'empereur rouge? C'est-à-dire... Non, tout, personne. Tout le monde m'appelait le citoyen Vintui, c'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que vous saviez du communisme à cette époque? Vous connaissiez tout du communisme ou est-ce que vous pensiez... Non, je connaissais très mal le communisme. Quand vous jugez cette période d'environ 2 années où vous avez accompagné de très près Ho Chi Minh et où vous lui avez rendu d'énormes services, est-ce que... Si c'était à refaire, vous le referiez? Comment vous jugez cela maintenant? Et ça dépend pour que... Si c'est pour le bien de mon peuple, je le ferai. Est-ce que ça a servi votre peuple? Je ne pense pas. La guerre, à ce moment-là, se déclenche véritablement entre la France et le Viet Minh. Et cette guerre est terrible, dure. Vous êtes un exilé. J'allais dire, c'est une chose terrible, vous n'êtes plus rien. Et pourtant, progressivement, votre audience semble renaître. Et notamment auprès de tous ces Français qui vous ont connu. Et auprès de nombreux Vietnamiens qui veulent bien de l'indépendance, mais qui ne veulent pas du régime communiste. Pour être plus clair, il faut remonter un peu dans l'histoire. Après
la fin de l'amiral d'Armandlieu, c'est M. Bollert qui est venu. Et M. Bollert était arrivé en Indochine avec l'ordre de Paris d'essayer d'obtenir la paix. Sous quelle forme? De faire appel à tous les, aussi bien ceux qui combattaient la France et tous les nationalistes qui étaient, si vous voulez, pour employer un mot ordinaire, en dehors du coup. C'est à ce moment-là que beaucoup de Vietnamiens ont pensé à moi. Et si vous vous rappelez, M. Pollard, quelques temps après son arrivée, a fait un appel, le fameux discours de Hadon, où il a parlé d'indépendance, mais pas en français, mais en vietnamien. Et à ce moment-là, j'ai reçu un envoyé de M. Boller, qui m'a dit, vous devriez répondre à l'appel de M. Boller. Il m'a dit, si vous ne répondez pas, M. Ho Chi Minh va va répondre et va vous coiffer au poteau. Moi, je dis, moi je veux bien répondre, mais j'attends que Ho Chi Minh réponde d'abord, puisque c'est à lui que vous avez fait appel. Et au bout de quelques temps, comme personne ne répondait à l'appel de Boller, et que déjà beaucoup de nationalistes étaient groupés, ils m'ont supplié justement de prendre contact avec le représentant de la France. C'est comme ça que j'ai accepté de rencontrer M. Boller en Baie-d'Along. Alors, ce sont les conversations de la Baie-d'Along. C'était les premiers contacts, si vous voulez. Ah, ça a duré longtemps. Ça a duré une journée. Oui, mais après, il y en a eu d'autres. Oui, c'est-à-dire, il a voulu faire une proclamation, c'est-à-dire l'unité et l'indépendance. Mais en revanche, il m'a donné des amendements. Un post-scriptum. qui ne convenaient pas du tout. Donc, vous refusez. C'est pour ça que je l'ai quitté, je suis revenu. D'ailleurs, j'ai dit à Bollert, je viens vous voir à titre personnel, je n'ai aucun mandat de mon pays, ni de mon peuple, pour signer quoi que ce soit. Et il m'a dit, c'était un premier contact, simplement. Qu'est-ce qui vous a décidé à revenir? C'était pour moi, si vous voulez, une occasion que je pourrais dire historique, si vous voulez. Car il y a une chose que peu de Vietnamiens savent, c'est que mon devoir, moi, c'est de racheter une erreur de mes ancêtres, c'est-à-dire la perte de la Cochinchine. La Cochinchine, c'était l'Alsace et la Lorraine du Vietnam. Donc, finalement, vous acceptez de revenir en ayant obtenu, cette fois-ci, vraiment l'indépendance et un territoire unifié. C'est pas dans la Baie-d'Along que j'ai obtenu la... C'est après le départ de M. Boller, que c'est à partir de 1949 que j'ai fait des premiers accords avec le président Henriot, qui ne sont pas des accords comme on entend, mais c'est un échange de lettres. Et alors, c'est une situation étrange. Vous aviez été empereur, vous aviez été M. Vinh Thuy député à la Constituante à l'époque d'Ho Chi Minh, et vous revenez en tant que chef de l'État. Alors, il y a plein de questions à l'esprit. D'abord, cet État, quelle forme avait-il? Vous étiez Sa Majesté Bao Dai, président de la République? Non, même pas président de la République, parce qu'il n'y avait pas de régime défini à l'époque. J'étais revenu et je me suis nommé chef de l'État du Vietnam. Et j'ai dit à mon peuple que quand j'aurais fini mon travail, c'est-à-dire concrétiser l'indépendance, refaire mon pays, à ce moment-là, c'est au peuple de choisir le régime qu'il voudra. Et ce n'était pas à moi d'imposer un régime quelconque. C'est pour ça que je me suis simplement mis chef d'État provisoire. Deuxième question. La première indépendance, certains vous l'avez reproché en vous disant c'est une indépendance des Japonais.
Est-ce que cette fois-ci, vous ne courriez pas le risque qu'on vous dise c'est une indépendance des Français? Non, pas du tout. Parce que les Français ont joué le jeu avec moi, l'indépendance. Naturellement, il y a eu des tiraillements, toujours, comme dans toutes ces affaires-là. Par exemple, pour faire mon armée, mais ils ont admis cette indépendance, puisque j'ai pu avoir des représentants diplomatiques dans d'autres pays, et il y a pas mal de pays qui nous ont reconnus. Vous aviez des amis dans le gouvernement français? Il y avait des gens qui ont été des alliés fidèles pour vous? J'avais le président Auriol, qui était très compréhensif, qui m'a beaucoup aidé, et puis le ministre des Affaires étrangères, Bidault. Pour le président Auriol, pour ce vieux socialiste, ancien ministre du Front populaire, vous deviez être une contradiction complète à tout ce qu'il connaissait de l'histoire. Peut-être pour lui, mais pour moi ça n'a aucune importance qu'il soit socialiste, pourvu que j'obtiens auprès de lui ce que les aspirations de mon peuple. C'est ça le principal pour moi. Vous revenez au Vietnam, et là, vous êtes très bien accueilli, en fait, par la population vietnamienne dans ce nouveau rôle. Mmh. Vous avez été très populaire à cette époque. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passait? Moi, quand vous dites populaire, moi, je n'ai jamais cherché la popularité. Je suis revenu pour faire un devoir que je devais rendre à mon pays, à mon peuple, surtout. Vous constituez une armée nationale, et à cette occasion, c'était quelque chose de très important pour vous. Le malheur, c'est qu'il y avait du retard. Il a fallu l'arrivée du général Delattre pour que mon armée puisse se faire. Car c'est lui qui a compris qu'il fallait absolument une armée nationale. Monsieur Letourneau, ministre des États Associés, et le général Delattre de Tassigny sont allés à Dalat rendre visite à l'empereur Bao Dai. La France a fait à la cause de l'unité vietnamienne le sacrifice de ses droits. La lutte pour l'indépendance du Vietnam n'a donc plus sa raison d'être, et le président Auriol suggérait récemment à l'empereur Bao Dai de lancer un appel à la paix à ceux qui ne peuvent plus être considérés que comme des rebelles. Et là s'installe entre Delattre et vous une relation privilégiée. Oui, je manquais au début, il y a eu un peu de froissement entre Delattre et moi-même. Mais au bout de quelques temps, quand j'ai fait comprendre à Delattre que dans ce pays-ci, en dehors du corps expéditionnaire français, il faudrait qu'un appui, c'est-à-dire l'armée nationale. Et il a tout de suite compris, et c'est comme ça qu'il a fabriqué les premiers éléments de mon armée. Il a fait même mieux, il a même donné son fils pour servir dans un armée de bataillon, et où il a trouvé malheureusement la mort. Alors, les Français, corps expéditionnaire, mais les Français, j'allais dire, ils se battaient pas pour vos beaux yeux quand même, pour utiliser une expression populaire. Au départ, les premiers qui sont arrivés, du temps de Leclerc, ceux-là pensaient combattre pour la France. Et petit à petit, la mentalité des Français qui ont combattu là-bas a changé. Ils ont compris que ce n'est pas pour la France qu'ils combattaient. Ils combattaient pour un peuple, c'est-à-dire le peuple vietnamien, pour que ce pauvre peuple ne tombe pas dans le communisme, justement. Car ils combattaient pour une humanité, si vous voulez. En même temps, ça devait vous déchirer, l'idée de cette guerre, car les communistes vietnamiens en face, c'était aussi vos frères. Bien sûr, c'est une guerre, comme toutes les guerres civiles, c'est une guerre atroce. À la même époque, est-ce qu'il n'y avait pas perdu une autre sorte de bataille? Est-ce que les médias ont bien compris ce que vous vouliez faire? Est-ce que les journaux ont bien compris ce que vous vouliez faire? Est-ce que ce n'était pas le temps où on raconter de toutes sortes de légendes sur l'empereur Bao Dai? Est-ce que tout ça, ça vous a pas fait du mal? C'était pas grave. Si c'était grave, à mon avis, c'est les médias critiquaient justement l'armée française qui combattait là-bas. Elle n'a pas compris pourquoi les jeunes combattaient.
ce que je venais vous expliquer en disant que c'est pour nous qu'ils combattaient, les journaux de France n'avaient pas compris du tout. Et justement, même le gouvernement n'a pas compris à l'époque. Vous veniez souvent en France. Vous aviez beaucoup de contacts avec les Français. Est-ce que vous sentiez que cette politique était en train de s'effriter? Quels étaient les sentiments que vous aviez quand vous voyiez que la guerre n'en finissait pas? C'est-à-dire la guerre, à cette époque-là, là, il y avait, c'est pas le contingent français, c'était les volontaires. Et cette guerre a été très mal comprise par, par l'opinion française, justement. Alors c'est toujours la question qu'on pose, est-ce qu'elle aurait pu être gagnée? À condition de d'y mettre tous les moyens. Ça marchait jusqu'au jour où la France était obligée de demander la paix. D'où l'affaire de Diemitfou, justement. Car à ce moment-là, les alliés de la France voulaient arrêter cette guerre. Car si vous vous rappelez, il y avait la guerre de Corée. Il fallait arrêter les deux guerres. De quelle façon? Il fallait une conférence. Conférence au sommet. Nous, la conférence de Genève. Vous dites dans votre livre, vous avez une formule formidable, que je ne sais pas si je vais la retrouver exactement. Vous dites qu'il y avait une impression de vide, tout d'un coup. C'était à ce moment-là, mon armée n'était pas encore tout à fait opérationnelle. Donc, il fallait attendre quelques années pour arriver à ce que mon armée puisse remplacer l'armée française. C'est pour ça que j'avais dit à l'époque, quand Salan commandait, de ne pas faire de grandes opérations, de ne pas sacrifier des hommes, et de faire une espèce de paravent pour que je puisse, moi, fortifier mon armée et la rendre opérationnelle. Malheureusement, la France voulait arrêter cette guerre. Après la conférence de Berlin est arrivée à la conférence de Genève. On voulait, si vous voulez, étendre toutes les opérations, contrairement à ce que j'avais demandé à Salan. D'où on a fait Diemitfou, on a fait d'autres opérations à Atlan, qui finalement a fini dans le désastre. Finalement, la décision avait déjà été prise. Diemitfou n'a fait que l'accélérer. Diemitfou a été une bataille perdue, terrible, mais qui aurait pu être surmonté. En fait, la décision avait été prise d'abandonner le Vietnam au communisme. C'est-à-dire pas tout à fait tout le Vietnam, mais c'est à Genève qu'on a coupé le pays en deux. Donc, on a partagé le pays entre les communistes et les nationalistes. D'ailleurs, les communistes ont obtenu beaucoup plus qu'ils demandaient, d'ailleurs. C'est-à-dire un catholique qui pourrait contrecarrer l'idéologie communiste. Diem devient Premier ministre ou président du Conseil et il avait toujours été protesté de son loyalisme à votre égard. Et là, semble-t-il, il change. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il était influencé par toute sa famille. Et puis aussi par ses protecteurs américains. Car chose curieuse, lorsque j'ai demandé à Diem de prendre le pouvoir, j'en ai parlé au secrétaire d'État américain Foster Dulles. Il ne voulait pas de Diem à l'époque. Et c'est longtemps après que j'ai compris pourquoi il ne voulait pas de Diem, parce que Diem, c'était parce que les Américains n'étaient pas prêts encore à prendre tout le Vietnam. Et il voulait garder en réserve leur homme qui était Ngo. Quel était son but? Il avait envie d'un gouvernement familial, non? Il n'avait pas de but exact, si vous voulez. Il voulait pas créer quand même une dynastie. Mais il voulait gouverner une espèce de petite dictature familiale plutôt.
en Corée, pays divisé. À la même époque, il y avait Syngman Rhee. Elle avait voulu jouer le même rôle, ainsi que le type de Max Essay aux Philippines. Est-ce que vous aviez, vous, conscience de l'attention que les Américains portaient au Vietnam? Est-ce que vous sentiez que derrière toute cette histoire, il y avait déjà les Américains qui se profilaient? Ah oui, j'ai très bien senti que les Américains voulaient une présence dans le Pacifique. C'est pourquoi à l'époque, si vous vous rappelez, la guerre d'Algérie avait commencé. Et les Américains ont fait une espèce de troc, si vous voulez. C'est ce qu'on m'a dit à l'époque, entre laisser la France se débrouiller en Algérie et que la France retire le Vietnam pour laisser la place aux Américains. Quand les accords de Genève ont lieu et que Diem progressivement étend son pouvoir dans le sud du Vietnam, vous êtes en France. Est-ce que vous pensiez retourner au Vietnam ou est-ce que vous aviez choisi? Non, pas du tout. C'était fini pour moi. J'avais dit à tous mes amis, à tous au pays qui nous soutenait, j'ai dit mon rôle est terminé. Parce que je suis ou le maître du nord au sud, ou bien je ne suis rien. Puisque vous avez coupé le pays en deux, je vais nommer un homme qui va s'occuper de la partie qu'on nous laisse dans ce modignier, justement. Quel sentiment aviez-vous à ce moment-là à l'égard d'Ho Chi Minh? Vous lui en vouliez? Vous lui... Non. J'en voulais parce qu'il a fait une guerre inutile, tout comme ça. Est-ce que vous vous rappelez des sentiments que vous avez eus quand, à l'issue d'un référendum, Diem a proclamé la République? Quelle impression avez-vous eue? Est-ce que vous avez pensé... Je m'attendais à ce référendum, d'ailleurs. Je n'ai pas été du tout surpris, parce que ça a été préparé de toutes pièces. Et je ne voulais pas descendre dans l'arène pour défendre ma position. Est-ce que vous pensiez à ce moment-là, nous sommes en 1955, est-ce que vous pensiez que forcément la guerre reprendrait, ou est-ce que vous pensiez qu'il pouvait y avoir un statu quo pour de longues années? J'espérais qu'il y aurait peut-être un statu quo, c'est-à-dire comme un peu comme, si vous voulez, comme l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Je pensais que la partie du Sud, qui était beaucoup plus riche que la partie du Nord, serait un pôle d'attraction pour les gens du Nord. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et je savais aussi que les Américains s'étaient engagés et qu'ils iraient même très loin dans cette affaire. Est-ce que l'enfant impassible des palais de Hue était prêt à supporter les jugements négatifs ou le silence, ou est-ce que vous en avez souffert? Non, pas du tout. Justement, vous avez bien fait de revenir sur mon enfance. C'est cette éducation qui m'a permis de garder toute la sérénité, justement. Maintenant, vous vivez en France depuis plus de 35 ans. D'une manière, j'allais dire, modeste, c'est-à-dire extrêmement digne, mais sans grands moyens. Beaucoup de gens vous connaissent malgré tout et apprécient manifestement beaucoup la relation avec vous. Comment vous êtes-vous adapté? Je me suis adapté très bien à la vie française. Comme j'étais venu tout jeune, j'aurais pu aller dans un autre pays. Et j'ai préféré rester en France parce que je connaissais bien la mentalité française. Et je me sens complètement chez moi, ici en France. En même temps, le Vietnam est toujours omniprésent dans votre vie. Mais je pense toujours, surtout à mon pauvre peuple. Voilà 25 ans que j'ai quitté la terre de mes ancêtres. Vous écriviez ça il y a 10 ans. Voilà 25 ans que j'ai quitté la terre de mes ancêtres. 25 années en France, sur cette terre d'accueil,
à laquelle me rattachent tant de souvenirs de jeunesse. Depuis la disparition de l'impératrice Nam Phuong, ravie trop tôt à notre affection et l'envol de mes enfants, j'ai souvent été un homme seul. J'ai connu et vécu ce que tant d'hommes et de femmes de mon peuple connaissent et vivent en ce moment même. La générosité et l'amitié des uns, l'incompréhension et la méchanceté des autres, la chaleur de quelques retrouvailles et le froid de la solitude. Pendant tout ce temps, je n'ai cessé de vivre au rythme du même battement de cœur que tous ceux qui sont dans l'angoisse ou le désarroi. Épousant la condition de tant d'entre eux, toute ma pensée est tendue vers eux, obsédée de la même espérance. Est-ce que un jour, quand l'empereur Bao Dai ne sera plus là, quand M. Vin Thuy ne sera plus là, est-ce que au Vietnam, il y aura des gens pour honorer votre mémoire comme il se doit? Est-ce que vous l'espérez? C'est pas à moi de le dire. C'est à mon peuple de le juger. C'est à l'histoire de me juger. Je vais tourner un petit peu grand. Attention! C'est pas grave. Véronique Sanson. J'avais pas mes lunettes. Véronique Sanson, Fanny Ardant, Michel Larocque, vous connaissez certainement. Est-ce que vous avez vu le film Pédale Douce? Oui. Alors? Oh bah écoutez, moi je trouve ça formidable, je trouve ça génial, je trouve ça, c'est... ...de leur devoir. Grâce à eux, le drapeau tricolore sera respecté. Le goût de l'aventure prédominait quand même, parce qu'au bataillon, il faut reconnaître, on n'avait que des volontaires, et généralement on aimait bien les coups, on aimait bien l'action. Nous avions donc entendu toujours Indochine française. Nous allions donc dans un territoire français pour y faire régner l'ordre et la paix. L'image de la France était associée à celle du corps expéditionnaire français. On pensait surtout au corps expéditionnaire français. Et tout le monde se disait que si le corps expéditionnaire revenait, cela signifiait le rétablissement de l'ancien régime. Cela signifiait la fin de tout rêve d'indépendance. Pour ces nouveaux Français, l'Indochine, c'est d'abord une carte postale et une aventure. Derrière les sourires et l'apparente passivité des populations, saisissent-ils vraiment la réalité profonde du pays et de ses aspirations? Ceux qui croiront comprendre seront à jamais marqués par ce qu'on appelle le mal jaune, mélange d'exotisme et d'attachement aux vertus d'un peuple où les petites Kongai, compagnes d'un jour ou de quelques mois, joueront souvent le premier rôle. D'emblée, ils sous-estiment l'ampleur de la révolution Viet Minh et de son enracinement populaire. Depuis septembre 1945, la péninsule est de fait coupée en deux. Au nord, Ho Chi Minh a proclamé l'indépendance. Au sud, la France s'accroche à la Cochinchine, dont le statut colonial particulier est inscrit dans l'ancienne constitution française. De Gaulle a confié la responsabilité du rétablissement de l'ordre à un binôme, où bizarrement le général Leclerc est placé sous les ordres d'un moine soldat, l'amiral d'Argentlieu. Les premières opérations de pacification commencent dans les rizières de Cochinchine, où le corps expéditionnaire va découvrir la guerre révolutionnaire. Et ça n'était pas la guerre que nous connaissions, et ça ne ressemblait à rien de ce qu'on avait pu apprendre dans les livres d'histoire. En particulier en Cochinchine, dès le début, les troupes françaises ont eu affaire à des bandes de brigands, des bandes manipulées par des communistes ou par des nationalistes, ou manipulées, conduites par des soldats ou des officiers japonais qui étaient restés là. Ils n'avaient pas une motivation politique bien définis, mais enfin ils avaient tous en commun la haine de l'occidental et la haine du français. C'est une guerre qui me rappelle un peu la guerre des maquis, mais évidemment j'ai changé de poste, puisque au lieu de harceler l'occupant, nous sommes harcelés, mais nous rendons coup pour coup. Il n'y avait pas vraiment de combat, de grande résistance en face de nous, mais quand un véhicule isolé était arrêté, on retrouvait les légionnaires ou les coloniaux avec la tête en moins et les couilles en moins.
Alors bien sûr, quand les camarades retrouvaient la tête du copain affichée sur un bambou à l'entrée d'un village, le village risquait d'avoir des désagréments. Entre nous, les consignes qu'on nous donnait, c'est la pacification. Pacification, c'est-à-dire, soyez très correct avec la population, il ne faut pas les molester, ceci, cela, pacifier, pacifier, et puis d'un autre côté, allez hop, ratissez, puis allez-y carrément, c'est-à-dire, faut les éradiquer. Au nord, en ce début 1946, le problème, c'est d'abord de se débarrasser des troupes d'occupation chinoises de Chiang Kai-shek, qui ont été chargées par les alliés de désarmer les Japonais. Ho Chi Minh, qui se présente comme un leader nationaliste, va se servir de la France pour chasser l'encombrant voisin. Pressé par Leclerc qui veut au plus vite réoccuper Hanoï, le commissaire de la République, Jean Saint-Denis, va signer le 6 mars avec Ho Chi Minh.